Bonjour à tous et bienvenue sur École du Verseau. Ce jour, chers amis internautes fidèles à ce programme télé sur EZETV, Raïmia Moussa, métaphysicien, nous entretient sur la thématique métaphysique dauméenne de la planète Uranus. Et dans un premier temps, il nous donnera une définition ésotérique de la planète Uranus et nous exposera les codes empreintes de la planète Uranus, la qualité, les défauts, pour ne pas dire les qualités et les défauts de la planète Uranus. Il parlera avec nous des nombres de conjonctions 29 et les nombres de conjonctions 11. Il parlera avec nous également de Matthieu 7-7 lié à cette thématique et en fin d'émission, il nous donnera quelques informations complémentaires nécessaires et liées à ce thème. Bonjour à vous, Raïmi Amoussa. Bonjour, mon frère. Merci d'être à nos côtés ce mercredi, chers amis internautes. Merci également de préférer ce programme télé sur EZETV, très édifiant d'ailleurs, j'allais dire, sur les enseignements de la vie et sur les enseignements de l'être. Raïmi Amoussa, dites-nous, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut comprendre par, ou donnez-nous, je vais le dire, une définition ésotérique de la planète Uranus. Merci, mon frère Kader. Vous savez, tout ce que vous voyez de manière physique a son correspondant dans les mondes invisibles. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quel que soit ce que vous voyez de manière physique, la chose possède, la réalité possède en arrière-plan des entités. Et tout le mystère de la manifestation dans la vie pratique de toute entité dépend du grade, de la fréquence vibratoire des entités qui gèrent l'élément visible. Les entités qui gèrent Uranus, nous les appelons les entités de l'air, les entités du son. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Les entités de l'air comme les entités du son gèrent ce que nous appelons, si on doit parler en langage terre-à-terre, les sons voyelles et les sons consonnes. Or, les sons consonnes sont ce que nous appelons les sons physiques, les sons de la manifestation physique. Alors que les sons voyelles sont les sons de la manifestation spirituelle. Si on doit aussi parler terre à terre encore, on va dire les sons consonnes, c'est le corps. Le corps de toute chose. Alors que les sons voyelles sont l'esprit qui dirige. Vous verrez que Uranus, c'est d'abord les sons fragmentaires. Mais dans le même temps, les sons qui font appel à l'intuition, à la vision. Les sons que quand vous savez prononcer, vous allez voir dans le futur comme dans le passé. Ah, ce sont les sons voyelles ou des sons consonnes? Pour voir dans l'invisible, c'est d'abord les sons voyelles. Alors que pour avoir quelque chose, pour régler un problème dans le monde physique, il faut les sons consonnes. Mais c'est l'addition des sons consonnes et des sons voyelles qui font qu'on a vite les résultats. Puisqu'il faut faire appel au parrainage de l'invisible pour pouvoir avoir un résultat dans le monde physique. Lorsque vous connaissez le son consonne dominant d'une personnalité, d'une entité, vous pouvez déjà de chez vous lui demander pardon. Comme on dit, quand vous savez, quand on dit, le saint prophète Mahomet joue le rôle de l'alliance, je ne sais pas, du guide, du parrain. Quand on dit Jésus, c'est de parrain, de guide, d'intermédiaire. Ce sont ces réalités que les gens veulent nous dire. Et vous verrez que souvent, vous voyez, on écrit sur la croix, sur certaines croix, le mot INRI. I-N-R-I. Et s'il plaît à Dieu, bientôt nous allons développer ces sons sacrés-là. S'il plaît à Dieu, nous allons bientôt développer ces sons sacrés-là. Mais quelles sont les qualités de la planète Uranus? C'est d'abord les qualités qui sont liées à tout ce qui fait qu'on voit dans le futur. C'est-à-dire l'anticipation, l'intuition, la clairvoyance, la vision. Ce sont des qualités des gens, excusez-moi, qui comprennent des choses que celui qui n'a pas ne comprend pas. C'est-à-dire, si vous ne savez pas faire, vous êtes dominé par cette planète. Excusez-moi, mon frère Kader, vous pouvez voir des morts circuler en plein jour, comme on dit. Vous voyez la forme des démons. Parce que les démons ont des formes. Mmh. Et leur forme, ce n'est pas notre forme à nous. Le problème, c'est quoi? Celui qui est dominé par Uranus, ayant la vision élevée, s'il n'éduque pas son corps physique, la personne peut subir ce que nous appelons la dépression et la détresse. C'est-à-dire, il peut subir la folie. Tout à fait. Et on peut se retrouver dans un état second. Second. Et c'est ce qui s'annonce
est en train déjà d'arriver avec les maladies qui viennent. Le problème aussi, c'est quoi? L'élément est difficilement maîtrisable. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Au moment où vous croyez que vous avez combattu un démon de l'élément air, il va revenir encore de manière surprise. Voilà. Il va revenir encore de manière surprenante même, si on peut le dire. Alors, quels sont les défauts alors de cette planète? Puisque toute chose qui a un côté positif a forcément un côté négatif. Alors, si on a des qualités, on aura aussi des défauts. Alors, quels sont les défauts de cette planète? C'est la récurrence négative, d'abord. Récurrence négative liée à quoi, par exemple? Mais à tout ce qui vient de l'invisible, de toutes les qualités que vous venez de voir. Supposons, par exemple, quand l'intuition, vous voyez, ici, au lieu que ça soit le contraire, c'est l'essai qui rentre dans le défaut ici. Ça veut dire quoi? Quand vous avez encore l'intuition en essai, vous ne vivez plus. Ça vous paralyse. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que vous vivez un moment de vision. Vous allez voir les choses de manière tellement claire et nette que si vous ne savez pas faire, mon frère, cadet, ça va vous mettre en état de catalepsie. Et si vous vivez seul, si vous ne savez pas faire, si personne n'est là, on peut venir vous voir ou vous ne respirez plus, on va croire que vous êtes mort. Et si, supposons que vous êtes musulman et qu'on accélère votre enterrement, en réalité, vous n'êtes pas encore mort. Ça veut dire quoi? L'état de catalepsie va dominer dans les moments à venir. Il ne faut pas vite dire qu'on enterre les gens parce que, surtout quand on a vu la personne, il n'y a pas longtemps, en bon état, en bonne santé. En très bon état, en parfaite santé. Merci. C'est-à-dire, l'Uranus, dans cette défaut, s'illustre par le fait que on peut passer d'un état physique de bonne santé à un état où le corps est en catalepsie, du fait que vous avez reçu visitation des entités liées à l'élément air. Voilà. Alors, quelles sont les codes empreintes de la planète Uranus? En code, d'abord, c'est le code numérique qui marque, c'est d'abord le 7 et le 22. Le 7 et le 22, alors quelles sont les qualités et les défauts du 7 par exemple, avant d'aller au 22? Le 7, d'abord, permettez que nous expliquions ce que nous appelons la mathématique métaphysique liée au 7. Vous voyez le 1, quand vous prenez le 7, oui. Et avant le 7, quand vous prenez le 4, additionnez, mon frère cadet, 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Vous verrez, ça va donner 10. Or, 10, ça fait 0 plus 1 égale encore à 1. Additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Ça va donner 28. Oui. 28 égale encore à 10 égale encore à 1. Remarquez qu'au bout de cette addition théosophique, le 10 apparaît et le 0 apparaît. Or, quand le 0 est quelque part, mon frère, ça veut dire que potentialité de manifestation et des démons et des anges. Cette addition théosophique nous informe que le code 147, c'est le code de Saturne, le code de Uranus. Je ne sais pas si vous me comprenez, lié à Saturne et lié au Soleil. 1, le Soleil, 4, Saturne, 7, Uranus. Donc 1 égale 4 égale 7. Et c'est ce code, en réalité, qui est le code blindage. C'est ça que nous devons utiliser pour nous protéger contre les entités négatives de Uranus. Le code 147. Voilà. Le code 147 pour se protéger. Merci. Des entités. De Uranus, parce que nous n'avons encore rien vu. Les conflits potentiels qui s'annoncent, il va falloir que les dirigeants, les autorités, nous leur demandons la tempérance. La tempérance, la tempérance. Parfois, dans les moments qui viennent, mon frère cadet, tous ceux qui ont le pouvoir de décider, je ne sais pas si vous me comprenez, de surtout d'utiliser la force, nous leur demandons que les seigneurs du karma les invitent à ce que ce n'est pas parce qu'on a raison qu'il faut punir. Ce n'est pas parce qu'on a raison qu'il faut attaquer premièrement. Parce que dans l'air du faisceau, une parole va régner, mon frère cadet. Celui qui attaque doit vaincre. Celui qui attaque doit vaincre. Les démons de Uranus ne pardonnent pas quand on les attaque premièrement. Parce que leur code à eux, c'est celui qui attaque doit vaincre. S'il vous plaît. Celui qui attaque doit vaincre. Alors, quelles sont les qualités et les défauts du nombre 22? Ah, le 22 est plus redoutable encore. Vous allez me demander pourquoi. Vous voyez, 22, le nombre 2 se répète. Et quand pour tout nombre qui a deux chiffres, le karma, c'est la soustraction de l'un de l'autre.
ça veut dire quoi? Pour le 22, c'est le karma zéro. Or, qui dit karma zéro, ça veut dire perte, sacrifice, action négative brusque. Et c'est à ça que nous sommes désormais, si on ne fait pas attention. Ça veut dire que nous devons nous méfier des dates 22 et des dates aussi où les maîtres nombres apparaissent. Si vous ne savez pas faire, aujourd'hui, mon frère Kader, vous serez en bon terme avec des amis et demain, vous ne comprenez rien. Tout à fait. Tout se gâte en fraction de secondes. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Véritablement, que Dieu nous en préserve. Alors, nous parlerons d'un nombre de conjonctions à présent, notamment sur le nombre 29. Ah. Quel est le message? Vous allez me demander où le Vénus est sorti. Le code, on avait dit le code numérique de Uranus, c'est 7 et 22. 7 plus 22, ça fait 29. Tout à fait. Or, 29, ça fait encore 2 plus 9 égale 11. Vous voyez un autre maître nombre. Or, le maître nombre 11 est lié d'abord au soleil et à la terre. Et vous voyez, 11, c'est encore 1 moins 1 égale 0. Vous voyez jusqu'où le double karma de sacrifice va régner. Ça veut dire quoi? Nous demandons, permettez que nous remercions toutes les armées du monde, et particulièrement l'armée béninoise et taoumienne. Permettez que nous remercions et nous inclinons devant nos agodiers, nos minons. Parce que l'armée taoumienne et béninoise, nous avons notre manière. Nous, notre armée est double. C'est à la fois spirituelle, métaphysique et physique. Vous allez me demander pourquoi nous inclinons devant toutes les armées. Tout à fait. C'est parce que dans les moments qui viennent, c'est l'armée qui sera au premier plan. Tout corps de sécurité. Alors, c'est la défense et l'intégrité du territoire. Parce que, excusez-moi, les démons négatifs de Uranus vont réveiller tout ce qui est lié au vol, à la violence, à la révolte, et à la vengeance. Et que faire pour y remédier? C'est l'anticipation à régler les problèmes inégalitaires. Mais par quelle manière il faut concrètement régler ou surtout anticiper, comme ne vous dites. Pas, quelle que soit votre puissance et quelle que soit votre force, fais appel à l'humilité, mon frère. Fais appel à l'humilité en ayant cette capacité à aller vers le démuni. Celui, excusez-moi, qui souffre. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que la tendance, c'est quoi? Ceux qui ont l'autorité, souvent, c'est ceux qui n'ont rien qui frappent à leur porte. Mais dans l'air du Verseau, comme dans la régence de Uranus, on demande aux grands d'aller vers les petit, je ne sais pas si vous me comprenez, pour que, excusez-moi, l'insatisfaction, l'esprit de vengeance diminue. Alors, tout à l'heure, on parle du nombre de conjonctions, on a fait 7 plus 22, ça fait 29, mais 2 plus 9 donne 11. Alors, quelle est l'explication, quel est le message qu'on peut avoir de ce nombre 29-là, voilà, d'abord, de ce nombre de conjonctions? Je vous disais tout à l'heure, le 9, c'est, vous voyez, quand quelqu'un est de code 9, ce sont ceux qui sont venus pour se sacrifier pour les autres. Tous ceux qui portent la croix des autres, comme on dit. Ceux qui éclairent sans attendre un salaire. Un imam, un prêtre. Je ne sais pas si vous voyez, vous, mon frère Kader, vous faites partie du code 9 comme tous nos amis qui sont dans l'ombre que nous ne voyons pas. Permettez que nous les remercions à la régie, c'est ça vous dites, non? Mon ami... Au niveau du plateau technique également. Mon ami qui, tous les jours... Nous prépare. Le plateau. Merci. Voilà. Ce sont les êtres de sacrifice qui portent le nombre 9. Ça veut dire quoi? Quand on dit au monde, quand on dit Sahara, mon frère, Kader, c'est lié au nombre 9. Maintenant, le 2 dit que nous devons mettre la femme devant si nous voulons que la paix règne dans les moments à venir. Ok. Voilà. Maintenant, le 11 est lié à ce que nous appelons le grand-père ou la grand-mère. Ça veut dire quoi? Nous demande de faire des aumônes envers les personnes âgées. Et tout faire pour que les personnes âgées ne souffrent pas. Parce que dans les moments à venir, les démons de Uranus vont vouloir faire mourir les personnes âgées de manière à ce que l'inexpérience règne dans la jeunesse. Or, c'est l'inexpérience qui fait que les fautes dominent, les erreurs dominent. Il va falloir l'éducation de la jeunesse. Et permettez que nous remercions notre DG, fondé du groupe Esaïe. Et vous-même, parce que, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, l'école du Verseau, c'est notre initiative commune. Commune.
et surtout personnel à vous. Alors, vous dites que 11, 22, ce sont les mêmes nombres. Oui. Alors, qui donne le karma à zéro. Alors, le karma de conjonction zéro, quel est le message qu'on peut en déduire? D'abord, ceux qui sauvent, lorsque le karma zéro doit s'illustrer, c'est ceux qui ont le nombre zéro. Surtout, par exemple, ceux qui sont nés en l'an 2000. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. En l'an 2010. Maintenant, supposons que quelqu'un est né, mon frère Kader, un 10 octobre 2000. Vous allez voir, il vaut mieux que partout où ces gens sont, nous devons vite les identifier et les canaliser. Parce que ce sont des gens qui seront l'objet de visitation à la fois des démons négatifs et positifs de Uranus. Le zéro, surtout quand ça s'illustre en karma, excusez-moi, c'est ce qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine. La guerre. Et ce n'est pas fini. D'autres guerres vont encore s'éclater un peu partout sur la Terre si nous ne maîtrisons pas le karma zéro. Et ceux qui peuvent nous aider, ce sont ceux qui ont le nombre zéro naturellement. Et ceux qui ont le nombre neuf. Je ne sais pas si vous voyez. Ceux qui, parce que nous allons vers des moments où... Des moments de tumulte. Merci. Et ceux qui raisonnent en matière de salaire, de commerce, ne peuvent pas sauver le monde. Il faut des hommes de devoir, de sacrifice. Merci à vous, Raïmé Moussa, pour ces interprétations-là. Nous parlons à présent des signes géomanciques, Ablamedji, Kamedji, Dimedji, Samedji. Alors, quels sont les messages qu'on peut déduire de ces quatre signes géomanciques-là que je vais énumérer? D'abord, Ablamedji. Oui. Nous l'appelons la victoire potentielle, la victoire assurée, quel que soit Alpha. Remarquez, ceux qui ont le nombre 7, excusez-moi, on dit une parole dit de Ablamedji. Quelle que soit la manière dont vous lancez le chat vers le haut, le chat va retomber sur ses quatre pattes. Remarquez, les gens qui ont le 7 sont toujours dans le premier cercle des rois, des grands, parce que c'est eux qui sauvent. Je ne sais pas si vous voyez. Ablamedji, c'est le sauveur. Si on doit parler universel, on va dire Ablamedji, c'est le Jésus. C'est le Mahomet. Hein, c'est notre Gedegbe national. Voilà. Et Kamedji. Kamedji, par contre, excuse-moi, on l'appelle autrement le rouge. Son nom, c'est le rouge. Ou le soufre. C'est pour vous dire que Kamedji, quand c'est quelque part, excusez-moi, quand votre corps n'est pas préparé, le sang devient chaud. Ceux qui portent ce signe ont souvent le sang chaud. Ça veut dire quoi? S'ils ne savent pas faire, ce n'est pas les médicaments qui les guérissent. C'est ce que nous appelons la maîtrise de la respiration qui les guérit. Parce que seule la respiration peut fait diminuer la température du sang. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup gèrent des maladies en prenant des comprimés alors qu'il va falloir simplement aller maîtriser la respiration quadripolaire. Nous aurons aussi le temps de développer spécialement ça, la respiration quadripolaire. Alors, le Dimedji. Le Dimedji, c'est la maison de ce que nous appelons Ifa. C'est, quand nous disons Fa, okay. Ifa est né dans Dimedji. Dimedji, c'est la Terre, notre Terre. Excusez-moi, toutes les planètes sont contenues dans la Terre. La Terre, c'est le résumé de tout ce qui existe dans l'univers. Le problème de la Terre, c'est quoi? La Terre, c'est la maison des karmas. C'est la maison des dettes karmiques. Ça veut dire quoi? Nous faisons tous sur cette Terre pour payer des dettes karmiques, c'est-à-dire pour nous purifier. Oui. Vous verrez que Dimedji, ceux qui portent Dimedji, ils sont faits pour les épreuves. Il ne doit pas craindre les épreuves et il ne doit pas se plaindre des épreuves. Parce que c'est à travers les épreuves qu'ils grandissent. Si ceux qui portent le nombre 10, demandez-les, ils sont liés à Dimedji. Ceux qui portent le nombre 10. Et ceux qui portent aussi le nombre 4. Et quand on dit 4, vous voyez, fois 2 fait 8. 4 fois 4 fait 16. Tout à fait. C'est pour vous dire quoi? Ceux qui sont nés en avril aussi. Ceux qui portent le millésime 13, 22, 31, etc. Voilà. Alors, et pour finir, Samedji. Samedji, nous prononçons son nom avec respect. Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi, oui. C'est le signe des grandes mères. On l'appelle chez nous le signe des minonas. Le signe lié à la matrice d'où nous tous nous sommes venus. Sorti. Merci. C'est pour vous dire quoi? Ce signe, excusez-moi, est un signe hyper favorable, mais un signe qui ne supporte pas l'irrespect. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Je ne vous souhaite pas, lorsqu'une femme est sous ce signe,
mon frère Kader, que ces femmes vous aiment. Si elles vous voient avec une autre femme, vous êtes foutu. Vous pouvez avoir des milliards. Si elles ne vous pardonnent pas, vos milliards vont disparaître. C'est-à-dire, vous allez vivre des épreuves. Elle va vous envoyer dans 10 midis. Je ne sais pas comment. Quand Samedi se fâche, je ne sais pas si vous me comprenez, elle vous descend dans la maison 10 midis. Et qu'à midi, c'est pour vous dire que Samedi va annoncer que la sorcellerie, la haute sorcellerie liée à l'élément air au son va dominer. Va. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. Mon frère Kader, nous demandons à notre jeunesse et surtout à nos filles de faire très attention à partir de 22h quand quelqu'un les appelle qui ne maîtrise pas, quand on leur envoie des messages en son qui ne maîtrise pas, de ne pas écouter avant d'aller dormir, de préférer écouter dans la journée parce que vous savez qu'à travers le son que vous écoutez, on peut venir chez vous, on peut pénétrer votre être et on peut faire de vous ce que on veut dans la nuit, dans votre sommeil. Voilà. Dans votre sommeil. Alors, nous parlerons de... Nous sommes pris par le temps. Nous parlerons d'Uranus et de l'anatomie occulte du corps humain. Ah. Ouais. Chaque... Vous verrez, nous appelons quelque chose les plexus. Ce que d'autres appellent chakra. D'abord, vous avez le plexus lié aux organes génitaux. Vous avez le plexus lié au nombril qui nous lie éternellement à notre mère. Vous avez le plexus cardiaque lié au cœur. Tout à fait. Maintenant, vous avez le plexus que nous appelons gorgien. Et souvent, ce plexus, c'est le plexus des boucons, des divins, des devins, je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, vous avez le plexus frontal qu'on appelle troisième œil. C'est ce plexus qui est lié à la planète Uranus. Et ce plexus est déjà ouvert. Et c'est souvent, c'est ouvert pour tous ceux qui portent le nombre 7 et le nombre 22. Et pas le mystère de l'égalité 1 égale 4 égale 7, d'un chang porte aussi le nombre 1, 4 et 7. 14. Déjà le 14, puisque mais c'est surtout le 147. Le 147. Alors ce que nous allons demander aux parents, excusez-moi, dans l'ère dans laquelle nous sommes maintenant là, l'éducation métaphysique est obligatoire. Et c'est pour ça, permettez encore une fois que nous vous remercions, le DG, monsieur Adéchian. Parce que ce que vous venez de faire, excusez-moi, si on devait payer, on ne peut pas payer. On ne peut pas le payer. Alors, probablement avant d'aller aux dernières questions, nous parlerons de Uranus et de la loi des opposés complémentaires. Merci. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la fois dernière, que Uranus, son opposé complémentaire se trouve dans le soleil. Et remarquez ce qui se passe dans le monde actuellement. La chaleur qui domine, mon frère, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce qui veut dire quoi? C'est un genre d'être karmique que tout lieu qui va subir cette chaleur est en train de payer. Nous allons demander simplement que les solutions ne sont pas seulement dans le physique. Les solutions sont dans le fait qu'on invite les entités, je ne sais pas si vous voyez, de Uranus en colère à se calmer. Or, n'importe qui ne maîtrise pas les entités négatives de Uranus, sauf ceux qui sont dans les sciences de l'occulte. Je ne sais pas si vous voyez, tel que le Fa, tel que le Vaudou. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Vous voyez dans le Bénin, dans le Dahomey. S'il vous plaît, mon frère Kader. Oui. Lorsque on sait d'avance qu'il y aura incendie, on fait appel simplement à Hevioso, à l'esprit tutélaire du tonnerre. Et on lui demande qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu te fasses. Et nous, Dahomey et Benoît, nous avons des solutions contre ça. Et vous verrez, l'incendie n'aura pas lieu. Parce que pour nous, Dahoméens, tout effet est produit par une cause. Et les effets négatifs sont produits alors par des karmas négatifs, donc des fautes et des erreurs commises. Ce que nous allons demander simplement, partout où ces feux s'illustrent, la question est de savoir, est-ce qu'ils ont ouvert leur miroir et voir leur dette karmique par rapport au passé. Par rapport au passé, ce qu'il en est véritablement. Alors, dernière question, Uranus, c'est les sciences de lecture du futur. Parle-nous-en. Ah. D'abord, c'est Uranus qui maîtrise les sciences du futur. Tout ce que est sciences du futur, je ne sais pas si vous voyez. Des prédictions. Des prédictions, merci. De la vision. C'est Uranus qui maîtrise ça. La parapsychologie, je ne sais pas si vous voyez. Tout ce qui est dit para. Le plus important, c'est quoi? Nous demandons au maître de l'oracle sur toute la terre, mais spécialement au Dahomey au Bénin,
que chacun travaille l'honnêteté. Que chacun travaille l'honnêteté. Permettez que nous remercions un grand personnage dans ce pays qui a osé commencer une lutte qui va nous sauver, qui sauve déjà le Bénin, qui va sauver la terre et qui porte deux noms, corruption et malhonnêteté. Permettez que nous remercions le chef de l'État du Bénin, Baptiste Athanase Guillaume Talon. Excusez-moi, avec Uranus et l'air du Verseau, si nous ne combattons pas ces deux mots, corruption et malhonnêteté, ce qui veut nous arriver en karma négatif, c'est d'abord ce que nous avons commencé à voir, les incendies. Mais quand l'étape des incendies va passer, excusez-moi, ce sera l'étape de la colère de la mer. Et donc, si vous ne savez pas faire, vous allez tranquillement être au bord de la mer un soir, mais le lendemain, tout le quartier peut devenir, comme on dit, une rivière. Merci, merci. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous m'avez véritablement emballé avec ces propos riches d'enseignement. J'espère que nos amis internautes ont tiré assez d'enseignement. On retiendra de cet entretien que dans sa définition ésotérique de la planète Uranus, Raimi Amoussa nous a fait savoir que tout ce qui existe dans le monde visible a un double ou une duplicité dans le monde invisible. Il a argumenté dans ce sens, il nous a fait savoir que la planète Uranus est régentée par les sons consonne qui se révèle par tout ce qui est dans le physique, dans le monde visible, et puis les sons voyelles qui sont dans l'invisible, notamment le monde spirituel. Et donc pour lui, lorsque l'on combine les sons voyelles et les sons consonnes, c'est-à-dire le visible et l'invisible, cette addition permet d'avoir des résultats très efficaces avec beaucoup de célérité. Et donc, cela permet de régler beaucoup de problèmes. Il en a le secret, bien évidemment. Il a parlé au cours de cette émission des qualités et des défauts de la planète Uranus. Il a fait savoir que les qualités de cette planète sont l'anticipation, la vision et la clairvoyance. Les défauts sont la récurrence négative avec l'actif, l'excès notamment dans l'anticipation, l'excès en vision. Et lorsque l'on sait que l'excès en toute chose nuit, il a fait savoir également que cela pourrait être l'un des défauts de cette planète. Il nous a parlé des codes empreintes 7 et 22 et nous a fait savoir que le code de cette planète, c'est le 147 pour se protéger des entités qui sont nuisibles dans l'influence de cette planète. Il a fait au cours de cette émission des démonstrations d'addition théosophique, notamment pour édifier par rapport à certaines thématiques. Il a fait savoir que dans l'ère du Verseau, celui qui attaque doit vaincre. Il nous a parlé également des nombres de conjonctions 29, notamment, vous savez qu'on a parlé de nombre 7 et 22, la conjonction, ça fait 7 plus 22, ça fait 29. Il nous a parlé des messages qu'on peut entreprendre à partir de son nombre de conjonctions du 7 et du 22. Il nous a parlé également du nombre de conjonctions 11, notamment le 2 plus le 9 du 29. Il nous a parlé également des messages qu'on peut déduire de cela. Il nous a parlé du karma de conjonction zéro, le message qu'on peut en tirer. Il a exposé de fond en comble ce que l'on peut retenir des signes géomanciques suivants, Ablamedji, qui signifie la victoire potentielle assurée. Vous avez également le Kameji, qui est encore appelé rouge ou soufre. Il nous a également édifié par rapport à cela. Il nous a parlé également du Dimedji, qui est constitutif des épreuves, des grandes épreuves, qui est fait pour les épreuves. Et il ne faut pas s'en plaindre lorsqu'on est sous cette influence-là. Et enfin, il a parlé du Samedji, qui est un signe des grandes mères, des Minonans de chez nous, qui ne supporte pas l'irrespect. Il a argumenté bien évidemment dans ce sens. En fin d'émission, il nous a édifié sur l'Uranus et l'anatomie occulte du corps humain. L'Uranus et la loi des opposés complémentaires ont également au cœur de cette émission et en fin d'émission, et nous a parlé de l'Uranus, des sciences de la lecture du futur. Il nous a fait savoir que cette planète a de véritables aptitudes à voir et à prédire par rapport aux sciences du futur. C'était à l'instant Raimi Amoussa, qui est joignable sur WhatsApp au 97 08 10 75 et par appel direct au 95 95 59 24. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention, la fidélité accordée à ce programme Télé sur Uranus TV. Merci bien, portez-vous bien et à mercredi prochain pour une autre thématique à développer.